ça les filles. Comment vous dire que c'est mon coup de cœur. Donc voilà ce que ça donne, ça ne bouge pas du tout, comme il y a un tissu antidérapant en dessous, donc voilà ce que ça donne. Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous ramène mes astuces de chez Action. Il y en a 7, je vais vous présenter 7 produits qui sont super. Alors, j'étais partie pour acheter un produit. Et comme d'habitude chez Action, je me suis retrouvée avec plusieurs choses. Donc, c'est parti. Alors, en premier, c'est ce tapis. Alors, c'est lui. C'est pour lui que j'étais partie chez Action. Juste pour lui. Et je suis ressortie avec plusieurs choses, hein, comme d'habitude. Hein. Donc, c'est un tapis qui a 65 sur 180 cm. J'ai pris la couleur grise, sinon, et il y en a plusieurs. Il y a plusieurs coloris. Moi, j'ai préféré prendre le gris parce que c'est neutre et puis ça va avec ma cuisine. Sinon, c'est un tapis qu'on peut mettre partout, mais vraiment partout. C'est multifonctionnel. Moi, je l'utilise pour la cuisine, mais vous pouvez mettre dans la salle de bain. Vous pouvez mettre où vous voulez. C'est vraiment super moelleux. Hein. C'est quand vous avez le pied dessus, c'est super confortable. C'est vraiment super long. Je vais vous montrer tout à l'heure. On va mettre 80, hein, c'est super long. Vous pouvez le couper. Vous voyez, vous avez des petits, je sais pas comment ça s'appelle, mais voilà, qui vous facilite en fait le fait de le couper tout simplement. Ensuite, j'ai pris ce chauffe-plat. Quand je l'ai vu, je l'ai dit, toi, tu viens avec moi. Parce que, en général, je ne trouve pas des jolis chauffe-plats. J'achète souvent celui en lait chez Ikea ou alors j'achète en plastique. Et celui-là, quand je l'ai vu, non, j'étais amoureuse de lui. Il est vraiment super beau. Il est vraiment super beau. Il est qualitatif aussi. Je pense qu'il y a deux modèles. Après, en ce qui concerne les couleurs, moi j'ai trouvé que du noir. Je sais pas s'il y a d'autres couleurs. J'ai trouvé que du noir. C'est vraiment super beau. Hein. C'est vraiment vraiment super beau. Alors, je vais vous présenter cette petite étagère. Chez moi, j'en ai déjà deux que j'avais commandé chez Amazon. Et ma surprise, j'ai trouvé la même couleur, les mêmes dimensions chez Action. Alors, comment vous dire que j'étais super contente. Super contente. C'est exactement la même couleur et pour moins de 7 euros chez Action. Je pense 6,90 ou un truc de ce genre. Ils ont du blanc, ils ont du noir et ils ont cette couleur. Moi, j'adore. Ça donne un style à la maison. Ça apporte vraiment un côté... ça rehausse vraiment la déco d'une maison. Pour moins de 7 euros, comment vous dire que j'ai pris direct. Ça supporte jusqu'à 3 kilos. Alors, ça les filles. Comment vous dire que c'est mon coup de cœur de chez Action. C'est vraiment un coup de cœur. Ailleurs, je sais que j'ai failli acheter ça une fois, mais comment vous dire que le prix, il était dans les 35 euros chez Amazon. Et là, je tombe sur ça chez Action pour moins de 5 euros. Alors là, j'ai même pas hésité deux secondes.
C'est en bambou. Je n'ai vraiment pas hésité. Je l'ai pris direct. Il y a deux coloris. J'ai préféré prendre celui-là. Donc, derrière, c'est recouvert d'un tissu antidérapant. Donc, c'est un produit, enfin, c'est un petit tapis pour mettre au bout du canapé. Et ben, pour poser une tasse, quand vous prenez votre café, votre thé, une petite boisson. Non, j'étais très, très contente de le trouver pour moins de 5 euros, alors que je l'avais trouvé à 35 euros. Je vous mettrai même quelques photos de là où j'ai trouvé sur Amazon. Ensuite, comme l'été arrive, j'ai pris ces petits socles-là. C'est pour éviter juste les insectes, que les insectes se posent sur nos repas quand on mange dans le jardin et tout ça. Donc, j'ai pris celui-là donc pour couvrir la nourriture tout simplement. Et j'ai pris un deuxième comme ça. Un deuxième qui, lui, est comme un parapluie en fait. Il est moins solide que celui-là. Celui-là, j'ai l'habitude de l'acheter chaque été. Et celui-là, je voulais le tester cet été parce que celui-là est beaucoup plus fragile. Mais vraiment beaucoup plus fragile que celui-là. Il se plie hein, comme un parapluie en fait. Hein. C'est vraiment très, très, très facile à utiliser. Mais par contre, comme je vous ai dit, il est super fragile par rapport à celui-là. Par contre, gain de place, mais beaucoup plus solide. Ensuite, j'ai trouvé ce tapis en bambou pour la salle de bain de mes enfants. J'étais super contente de le trouver chez Action. C'est 60 cm sur 90. Il y avait deux coloris aussi, il y avait du noir et il y avait du bois clair. Alors, je cherchais vraiment un tapis en bambou, ça fait un moment. Ben, c'est toujours le prix qui me recalait. Et là, je suis tombée sur ça chez Action. J'ai pris direct. Parce qu'il faut savoir que le bambou, il a une haute tolérance à l'humidité. Donc, je le voulais vraiment pour la salle de bain de mes enfants. Et je vais en prendre aussi pour moi. Parce que je sais que mon allergologue m'avait déjà conseillé des tapis en bambou. Parce que le bambou est... disons. Alors, je vais vous donner un petit bonus pour celles qui vont l'acheter. Parce que des fois, la matière des produits en bambou, des fois, ça peut faire des petites taches noires. D'accord? Alors, le bonus pour le nettoyer, c'est très simple. Première étape, ça va être de l'eau et du vinaigre. Tout simplement. Et le vinaigre va venir, en fait, désinfecter le tapis, raviver la couleur et surtout, ne pas ruiner votre tapis. C'est tout simple à nettoyer. Après, si jamais, vraiment, ça ne part pas, là, vous pouvez utiliser juste du savon avec de l'eau chaude. Si vraiment, c'est le pire de pire de pire que ça ne s'en va vraiment pas, là, vous allez utiliser le moins écologique. Donc, ça va être de l'acétone. Et sinon, c'est un très, très, très bon tapis. Très bon rapport qualité-prix. Vous pouvez y aller les yeux fermés. Moi, j'en ai pris un, mais je pense que je retournerai prendre un deuxième pour ma salle de bain aussi.
Donc voilà ce que ça donne, ça ne bouge pas du tout comme il y a un tissu antidérapant en dessous. Donc voilà ce que ça donne. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker pour m'encourager. Je vous fais plein de bisous. Portez-vous bien.